Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yasuko Bon. En dessous de cette vidéo, tous abonnés, cliquez à s'abonner pour activer la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, toutes les informations se trouvent en dessous également de cette vidéo. Des dons, vous pouvez les faire sur Western Union et PayPal. Merci beaucoup à tous, que Dieu vous bénisse pour vous tous vos dons. Wow. Mes frères et sœurs, il faudrait qu'on vous dise la vérité. Il faudrait qu'on vous dise que s'il y a bien une chose qu'on ne doit ignorer, qu'un chrétien ou une personne qui se trouve sur cette terre ne doit être ignorée, c'est le combat spirituel qui a lieu. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore ce que c'est que le combat spirituel. Notre travail ce soir, notre travail aujourd'hui, sera de vous montrer ce que c'est qu'un combat spirituel en le comparant à un combat réel, un combat physique que vous avez sans doute déjà vu. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Soyez prêts. Sautez un peu. Un vrai chrétien, il est toujours chaud. Let's go. Ouh, ils sont chauds ce matin, les amis. Bienvenue. Combat spirituel. C'est quoi un combat spirituel? Un combat spirituel, c'est une guerre. Une guerre. Quand on dit une guerre, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ne sont pas contents, qui se battent. L'un ne veut pas voir l'autre. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ça même. Et le combat ici, là, ce combat dont nous allons vous parler, là, c'est le combat des esprits. Ça se passe en esprit. Souvent, ça dépasse même le niveau de l'esprit pour venir au niveau physique. Qu'est-ce que c'est? Nous allons vous en parler. Déjà, pour commencer, vous devez comprendre que une guerre, là, ce n'est pas une bonne chose à faire. Mais nous sommes dans un monde où la guerre est devenue comme quelque chose de normal. N'est-ce pas? Bien sûr que oui. Il faut monter forcément en guerre. Et il faut gagner la guerre. Pour cela, il faut être armé. Soyez armés, mes frères et sœurs. Mais avant d'entrer dans tous ces détails, parlons de combat spirituel. Le combat spirituel se passe en esprit. D'accord. Comparons-le maintenant au combat physique. Le combat physique se passe sur la terre. C'est-à-dire, on peut voir ceux qui se battent. Mais dans le combat spirituel, les personnes qui se battent se trouvent en esprit. Est-ce que vous voyez? Ok. Prenons élément par élément pour essayer de comprendre en clair ce que c'est qu'un combat spirituel. Quand on parle de guerre spirituelle, les choses se passent en esprit, on vous l'a dit. Et en esprit, là, ceux qui opèrent là-bas, là, ce sont des démons qui sont contre les anges. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, physiquement, là, la guerre qu'on voit, là, on peut voir deux personnes qui sont en guerre. Ça peut être peut-être deux pays qui sont en guerre, par exemple. Quand deux pays sont en guerre, là, où est ce qui se passe? Ok, on voit. Maintenant, au niveau de la guerre spirituelle. Au niveau de la guerre spirituelle, ça peut se passer en esprit et ça peut se passer physiquement. Ça veut dire que si le combat qui se passe en esprit là, à un niveau exagéré, ça veut dire si le diable ou encore les sorciers vous combattent spirituellement, que ça ne marche pas là. Ceux qui vous combattent spirituellement, que vous ne les voyez pas là, ils peuvent venir physiquement pour vous attaquer. Voici comment ça va se matérialiser d'abord spirituellement. Spirituellement, le combat spirituel va se matérialiser dans la mesure où vous serez en train de dormir et un jour comme ça, vous allez voir dans vos songes qu'on vous poursuit. C'est le combat spirituel là qui se matérialise comme ça. Ou bien tu peux être là couché sur ton lit et du coup tu deviens lourd, tu ne peux pas te lever. Et Dieu ouvre tes yeux, tu vois les gens qui sont autour d'un arbre en train d'appeler ton esprit. Ça là, c'est quoi? C'est un combat spirituel qui est en train de devenir progressivement physiquement. Et quand tu as dit Jésus-Christ,
Dieu lui-même t'a réveillé, tu es sorti. Ça, là, ça arrive beaucoup à beaucoup de personnes. Même vous-même, vous pouvez en témoigner. Et quand tu as dit Jésus-Christ, tu t'es levé là, le combat spirituel là, ça a échoué. C'est-à-dire ceux qui t'attaquaient spirituellement là, qui t'attaquaient de loin là, c'est échoué. C'est comme une personne qui prend une poupée et qui pique la poupée là. Il se dit que cette poupée là représente la personne qui veut. La personne qui veut faire du mal. C'est comme il prend cette poupée et puis il dit à cette poupée là représente telle personne. Dès que je pique la poupée, la personne aura mal dans tel endroit. Vous voyez? Ça, c'est un combat spirituel. Là où ça devient maintenant physique, là, vous allez comprendre comment ça se passe. Quand l'ennemi te combat spirituellement, qu'il échoue, il vient physiquement. Le sorcier va venir physiquement. En général, ce sont des gens qui sont proches de nous. Est-ce que vous voyez? Il va venir physiquement pour t'attaquer. Comment il va t'attaquer? Verbalement. Il va t'attaquer verbalement. Oh, toi, tu es mauvais! Pourquoi tu ne cherches pas à me voir? Tout le monde cherche à me voir, mais toi tu ne cherches pas à me voir. Là où il n'y a pas de problème, là, c'est là où il a un problème. C'est-à-dire aujourd'hui il dit ça. Demain il dit autre chose. Il passe son temps à t'accuser. Toi même quand tu regardes l'histoire, là, tu es innocent. Mais lui il t'accuse seulement. Voilà. Là c'est le combat qui était en esprit, là, qui est physique. C'est-à-dire qu'en esprit, la guerre spirituelle, ça se passe en esprit. Et en esprit, vous pouvez voir ces choses dans vos songes. Quand vous êtes sur votre couche, vous pouvez voir ça. Dieu peut ouvrir vos yeux, vous allez voir. Maintenant, au niveau de la guerre physique, là, comment ça se passe? Au niveau de la guerre physique, ça se passe aussi en haut. C'est-à-dire dans les airs. Vous voyez? Dans les airs, là. Où il y a les avions qui tirent de partout, là. Voilà, là, vous pouvez voir les avions. Tu peux voir les balles, là, descendre. Tu sais qu'il y a un avion là-bas qui tire. C'est ça le combat en esprit là, comme ça, qui se matérialise comme ça. Voici les deux points communs. Mais un combat physiquement là, c'est la guerre terrestre. La guerre terrestre. La guerre terrestre, là où le sorcier veut t'attaquer verbalement là. La guerre terrestre, là où l'armée terrestre va avec les armées, tu les vois, ils font une guerre comme ça. Armée, puis ils rentrent dans les endroits, ils font les stratégies pour pouvoir conquérir les territoires ou encore repousser l'ennemi. Hors de leurs frontières. Voilà. Voilà. Ouais, un peu. Ouais, la différence entre les deux. On peut dire que le point commun entre les deux, c'est qu'ils ont besoin de stratégie. Sans bonne stratégie, vous ne pouvez pas gagner le combat. Hein. Que ce soit spirituellement, que ce soit la guerre spirituelle et la guerre physique. Il faut des stratégies. Il faut également des armes. Quelles sont ces armes-là alors? Le sorcier qui vous combat spirituellement, là, il a des pouvoirs là-bas. Il a des yeux spirituels pour vous voir à distance. Il a tout ce qu'il faut. Il a des boules de cristal pour permettre de voir également tout ce qui se passe dans le monde entier. En plus, il y a des âmes spirituelles. Le sorcier peut avoir une âme comme un couteau. Ah, physiquement tu peux voir ça comme un couteau, mais spirituellement c'est l'os du bras d'un humain qui est là. Et il est armé et accompagné par des entités spirituelles qui sont des démons. C'est ça les âmes des sorciers. Il n'y a pas de sorciers sans démons. Ce sont les démons qui donnent la force aux sorciers. Et c'est Satan lui-même qui est derrière tout ça. Ça, ce sont les âmes des sorciers. Et quand ils viennent physiquement pour vous attaquer, là, ils utilisent une autre âme, le mensonge. Ils vous accusent, ça dit, tout ce qui se trouve en Satan, là, eux, ils ont ça en eux. Ça veut dire qu'ils ont l'esprit de Satan en eux. C'est une âme pour eux. Le mensonge. Ouais, ils accusent. Tu vas voir que dans la famille, là, on vous accuse seulement. C'est vous, on vous dit que vous êtes comme ça, vous êtes ici. On passe votre temps à vous accuser. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Non. Ah, tu sais que tu n'as rien fait même. Toi, quand tu es observé, tu n'as rien fait. Mais on t'accuse pour rien. En général, ce sont les sorciers qui font de tels complots. Même bien, c'est des gens qui sont là, à la maison, toujours sont là. Des sorciers, ils accusent des sorciers, ce sont les sorciers. Souvent, même les sorciers, même là, ils accusent deux sorciers. Ou ils appellent les gens qui ne sont pas sorciers.
rien que pour ne pas qu'on sache qui ils sont. Ça, ce sont des âmes. C'est-à-dire là, les âmes spirituelles, là, deviennent tellement simples que l'homme ne peut pas comprendre que ce sont des âmes. Mais ce sont bel et bien des âmes. Qui sont dangereuses, même plus dangereuses que les âmes physiques. Les âmes du chrétien. Quelles sont les âmes du chrétien? Ah, Ephésiens 6, verset 11, lisez. Tu dois avoir le bouclier de la foi. Ah, tu dois avoir le bouclier de la foi, là. Toi, tu vois ça, toi, tu te dis que, ah, comment le bouclier de la foi peut être une âme? Parce que quand tu regardes la guerre physique, où tu vois l'armée de l'air avec, tu vois les âmes. Tu vois les avions, tu vois que quand l'avion arrive là, ça fait bou bou bou. Quand l'avion décolle, ça fait l'hélicoptère même. La terre la remue comme ça, tu vois la poussière qui vient. Tu te dis, qu'est-ce que la foi peut faire contre ça? Tu te dis, qu'est-ce que la foi peut faire comme ça? Mais la foi peut rien faire comme ça là, parce que ça c'est une âme physique. Quand tu vois l'armée, tu vois un corps habillé. Ou quelqu'un qui est dans l'armée, qui vient, il est bien armé, il a des âmes sur lui. Tu as peur, tu trembles, n'est-ce pas? En tout cas, si tu n'as rien fait, tu ne vas pas avoir peur. Ça, c'est normal, il ne faut même pas avoir peur. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ah! Quand tu vois ça, c'est que tu vois ces 10. Ce monsieur-là, il est blindé. Même en, ceux qui sont dans l'armée, là, s'il y a des gens qui sont dans l'armée qui nous regardent, là. Quand vous voyez quelqu'un, un pays bien armé là, qu'est-ce que vous dites? Attention! Faut provoquer tout le monde, monsieur là. Faut pas le chercher. Parce qu'ils sont bien armés. Ah! Ça veut dire que le chrétien, il doit être également bien armé, il doit être en quête des âmes. Il doit rechercher les âmes. Et le point commun, le point encore qui relie, vu ça, le point qui relie. Les deux guerres, c'est-à-dire les guerres, la guerre spirituelle, la guerre physique, ou encore le combat spirituel, le combat physique, c'est que les deux camps sont en permanence en quête d'âme. Et le combat spirituel, là, le sorcier qui vous combat, les sorciers qui vous combattent, là, eux, ils cherchent toujours à augmenter leur pouvoir. Ils cherchent toujours à augmenter leur force. Ça veut dire que vous aussi qui êtes chrétien, vous devez également augmenter vos pouvoirs. En quoi faisant? En faisant des sacrifices. Quel genre de sacrifice? C'est pas compliqué. Tu aimes la masturbation. Si tu veux avoir une bonne âme pour le combat, arrête la masturbation. La masturbation que tu fais là. C'est comme si on disait que tu étais tenté de t'auto-tuer, t'auto-détruire. C'est comme si on pouvait dire que tu as les âmes, tu as quelque chose du diable en toi. Si tu as quelque chose du diable en toi là, comment tu vas vaincre un sorcier ou encore vaincre Satan dans ce combat? Tu ne crois pas. Vous voyez que quand on compare les âmes spirituelles et les âmes physiques là, la différence, c'est-à-dire. Les effets ne sont pas les mêmes. Maintenant, dites-nous, des deux guerres, et la guerre spirituelle et la guerre physique. Là. Quelle est la guerre qui vous impressionne le plus? Bien sûr que c'est la guerre physique. Mais la guerre spirituelle est grave aussi. Il faut qu'on vous dise que la guerre spirituelle là, est plus grave que la guerre physique. Okay. La guerre spirituelle est dangereuse. Okay. C'est bon, grave. Faut bien étudier, hein, parce que les gens prennent beaucoup. Est-ce que vous voyez que c'est grave? Nous allons vous expliquer ici pourquoi c'est grave. Pourquoi c'est plus compliqué même que la guerre physique. Quand on dit qu'il y a deux pays qui sont en guerre là, est-ce que les gens ne savent pas ça? Oui, ils le savent. Mais quand on parle de guerre spirituelle là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées de ça. Faux. C'est ça là même le danger. Quand on parle de Satan, le diable appelle, c'est beaucoup de personnes qui disent moi je ne suis pas dans l'histoire de Satan. Alors que Satan lui s'intéresse à vous. Ça c'est un danger. Toi tu ne peux pas t'intéresser à lui, mais lui cherche à s'intéresser à toi pour te détruire. Donc il va te détruire à petit feu, c'est que tu te rends compte. Maintenant, quand on tire quelque part là, quand la guerre quelque part on tire là, les gens entendent non, ils entendent les bruits des âmes. Même le bruit de voiture, est-ce que vous n'entendez pas?
vous entendez. Parce que vous avez des oreilles. Mais les oreilles spirituelles sont là aussi pour atteindre les âmes, les tis des âmes. Parce qu'il y a des oreilles spirituelles également. Il y a des yeux spirituels, il y a des oreilles spirituelles. Tout ça, ce sont des âmes. Et les sorciers, ils ont tout ça. Toi, le chrétien, tu dois également avoir toutes ces choses. Dieu va te révéler en songe toutes ces choses. Là où il y a le danger, là, c'est que dans la guerre spirituelle, tu ne peux pas entendre des tirs. Ou bien, est-ce que tu peux entendre? Tu peux pas entendre. Tu peux pas entendre des gens tirer. En fait, quand tu regardes là, quand tu viens ici là, tout est calme. Est-ce que tu entends quelque chose? Non. Mais la guerre est là. Et les sorciers sont là. Même là où je suis en train de vous parler là, le diable et ses démons sont en train d'observer tout ce que nous faisons. Pour préparer une stratégie pour contre-attaquer. Ça veut dire que toi qui me regardes là, tu dois maintenant t'armer. Si tu ne pries pas, commence à prier. Parce que la prière là, ça c'est une arme dangereuse même. La prière du juste. La prière du juste. La guerre physique. La guerre spirituelle. Franchement, on dit que les sorciers ont des avions. Mais comme c'est spirituellement, c'est spirituel, tu ne peux pas voir. Ils ont effectivement des avions de guerre. Même ceux qui ont eu à voir des démons, ils ont dit que certains démons sont armés comme des démons qui sont physiques. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé ici. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ce témoignage. Ce témoignage-là va vous permettre de comprendre bien le danger qu'il y a dans cette guerre-là. Et même d'établir la comparaison entre la guerre spirituelle et la guerre physique. Tout est réuni là, dans ce témoignage que nous avons dit, c'est le témoignage d'un ex-sataniste. Soyez prêts, écoutez, peut-être que si vous n'avez rien compris jusqu'à là, ça vous permet de comprendre quelque chose. Voici l'histoire. Un monsieur est né dans une famille, ils étaient 12. Mais le problème avec eux, c'est que chaque année, ils mouraient. D'abord, ça a commencé par un. La première personne est décédée. Ils ont dit que c'est juste un décès. Deuxième personne, ils ont dit que ça peut arriver. Troisième personne, ah, qu'est-ce que c'est? Quatrième personne, nous restons combien? Ah! Jusqu'à il est resté combien de personnes? Il est resté 3 personnes. Parmi les 3 là, non, il est resté 4. Parmi les 4 là, il y a un garçon qui s'est levé, il est allé voir sa maman. Mais est-ce que tu peux nous dire, mais pourquoi nous mourons comme ça? Qu'est-ce qui se passe-t-il de la famille et puis on meurt comme ça? Même ceux-mêmes qui sont autour de nous ont peur de la famille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ils ne savaient pas une chose. C'est que la personne même qui était de sacrifier les gens de la famille, là, c'était sa propre mère même à qui il s'adressait. C'était sa propre mère là. Sa maman même là. C'est elle-même la sorcière là. Elle dit, ah, mon fils, comment moi je peux savoir ça? Elle a commencé à pleurer. Moi, comment il peut savoir la cause? Ça encore, c'est une âme. Le sorcier là, il pleure. Il se fait passer pour la victime, pour vous intimider. C'est une âme pour eux. Soyez prêts. Quand elle a fini de faire ça et que son fils est parti là, vous savez ce qu'elle a fait? Ça n'a pas duré. Elle est montée en esprit, allée dans le monde spirituel, convoquer tous les sorciers. Pour faire quoi? Pour exposer ce qui vient de se passer. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, mon fils est venu aujourd'hui me voir pour me poser des questions sur pourquoi les gens meurent dans la famille. On doit le tuer avant que le jour va se lever. Il faut que son âme et son esprit soient devant moi ici. On doit le tuer. Aussi doit mourir. Qui parlait? Est-ce que ce sont ses voisins du quartier? Est-ce que ce sont peut-être ceux qui l'appellent ses ennemis physiquement? C'est sa maman. Mais lui-même, il ne sait même pas que tout ça a lieu. Quand sa maman allait faire le rapport comme ça du monde spirituel,
Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils disent ok, il n'y a pas de souci. Puisque toi-même là, tu veux qu'on le tue là. On va le tuer. Vous savez ce qu'ils ont fait? Dans le monde spirituel, il y a un démon. Ce démon là, lui il est capable de transformer les feuilles là en argent. On appelle le démon Zagam. Si je ne me trompe pas, Zagam, c'est ça son nom. Vous devez connaître le nom des démons pour le combattre. C'est très important aussi de ce combat. Vous savez ce qu'elle a fait? Ils ont emmené plusieurs femmes, au moins 7 femmes. 7 mamans, c'était toutes des mamans. Sa maman même là, la maman de ce jeune là, elle était dedans. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont invoqué le démon et le démon là, il a transformé ces 7 femmes là en corps habillé, c'est-à-dire personne bien armée, c'est-à-dire armée, c'est-à-dire ce ne sont pas des femmes armées, c'est-à-dire quand vous les voyez là physiquement, vous allez vous dire que c'est un gendarme qui passe ou bien c'est un militaire qui a été dépassé. Parce qu'ils sont armés même, comme quelqu'un même qui est dans l'armée, de l'élite même, bien armée. C'est comme ça qu'elles ont été transformées. Et ils ont invoqué encore ce démon là et ils lui ont demandé de transformer un cercueil en voiture, en belle voiture comme ça. Et c'est dans cette voiture là qu'elles sont montées et descendues physiquement sur la terre. Aller où? Dans la villa de ce jeune homme. Aller dans la villa de cet homme là. Et qu'elles sont arrivées là, ils ont trouvé qui? Sa femme. Bon, elles ont trouvé sa femme. Sa femme là, à la femme à cet homme là, lui il voyait des militaires. Il voyait des gens bien armés qui sont des gardes civils qui sont dans l'armée. Elle se dit que c'est normal, mais elle se pose également la question de savoir, mais pourquoi sont-ils bien armés comme ça? Et que viennent-ils chercher ici? Quand ils sont arrivés là, ou bien quand elles sont arrivées, bon, comme elles ont été transformées en hommes aussi, on va dire quoi? Il ou bien elle? Quand ces sorcières là, transformées en corps habillés, sont arrivées dans la maison là, elle a posé la question à la femme, où est ton mari? Mon mari est là, mais qu'est-ce qu'il vous a fait? On veut ton mari. Elle dit, ah si c'est l'argent que vous voulez, on va vous donner. Il dit, non, nous on n'a pas besoin d'argent. Nous on n'a pas besoin d'argent. Nous ce qu'on veut là, c'est ton mari. Ah! Quand son mari est sorti là, ils se sont mis à tirer. La femme même là, elle allait se jeter comme ça sur son mari. Que les balles là puissent la toucher et non son mari. Vous savez ce qui s'est passé là? Les balles ont traversé la femme. Ça ne lui a pas fait du mal. Ça fait du mal à son mari. Et la personne même qui tirait, la première personne même à tirer là, c'était qui? C'était sa maman. C'était sa maman. Et elles étaient habillées comment? Elles étaient transformées en qui? En corps habillé. C'est-à-dire c'est en corps habillé et bien armé. C'est-à-dire en militaire bien armé. Et elles sont venues physiquement. Quand vous allez les voir, vous allez penser que ce sont les militaires. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Quand vous allez les voir, vous allez penser que ce sont les militaires qui sont en train de faire le travail, qui sont en train de tirer sur votre mari. Alors que ce ne sont pas des militaires. Ce sont des femmes même d'abord pour qui sont là. Hein? Ce sont des femmes qui sont transformées en hommes comme ça, en militaires. Et ça, ce sont des sorcières. Et puis c'est sa maman même là qui a été de tirer. Hey! Ah! Ces choses sont bien réelles. C'était témoin, c'est tout encore sur Nuance Reborn. Allez jeter un coup d'œil. Cet homme s'appelle Paul Kalemba. C'est lui qui a raconté cette histoire. Vesicant de sorcellerie. Il nous a raconté toutes ces histoires. Sans dire long. Ah! Quand ça s'est passé et que le monsieur est décédé, les parents à cet homme-là sont venus prendre cet homme-là pour l'amener où? À la République là-bas pour se plaindre. Et la personne qui était devant même là, pour aller s'accuser de ce qu'ils ont tué son enfant là, c'est-à-dire sa maman qui a tiré là. C'est elle-même qui a tué son fils là. C'est elle-même qui était devant. Et tous les gens du quartier, hein, tous les gens qui ont assisté à cet événement-là, eux, ils pensaient que c'était qui? Ils pensaient que c'était les gens de l'armée physique même là, qui sont venus tirer. Ça veut dire que vous qui êtes dans l'armée, là, priez beaucoup. Ou encore nous, les frères chrétiens, là,
prions beaucoup pour notre armée. Parce que le diable se déguise, on voit des agents qui se déguisent encore habillés pour venir nous attaquer. Est-ce que vous comprenez? Et nous, on va accuser carrément ces gens-là alors qu'ils n'ont rien fait, ils ne sont même pas. Ils ont posé des questions au chef de l'armée, mais où était votre troupe en ce moment-là? Ils étaient là, personne n'est sorti, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. C'est ça la guerre qui a commencé spirituellement, là, qui est devenue physiquement. Quand la guerre spirituelle dépasse la dimension, le sorcier vient physiquement. Quand le sorcier veut pas, et c'est tout pour vous attaquer, ça ne réussit pas. Il vient physiquement pour vous attaquer. Et ça, c'est la belle démonstration. Vous deviez savoir que il y a un combat spirituel qui existe. Et ce combat spirituel là est tellement grave que souvent ça devient physique. Ce combat spirituel qui est devenu physique là est tellement réel que nous devons vous informer de ces choses. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo là pour vous dire ce qui se passe réellement dans ce combat spirituel ou encore la guerre spirituelle. Sa propre mère déguisée, sa propre mère sorcière d'abord, transformée en homme, déguisée encore habillée, bien armée, descendue sur la terre avec une voiture. Tu vas voir la voiture, tu vas dire que c'est une belle voiture. Alors que c'était ce cœur qui est là, vous devez comprendre qu'il y a des choses graves dans ce monde. Il y a des choses graves dans ce monde. Et ces choses-là, ce n'est pas le premier cas. Il y a plusieurs choses comme ça qui arrivent. Voici un truc qui s'est passé. Voici des gens qui se trouvaient dans une voiture. Ah, dans la voiture-là, il y avait plus de 25 personnes dans le car. Mais les sorciers cherchaient à tuer une seule personne. Et il y a eu accident. Quand il y a eu accident, là, tous ceux qui se trouvaient dans la voiture sont décédés. Sauf le monsieur. Pourquoi? Parce qu'il avait Jésus-Christ dans sa vie. Ça veut dire que vous devez avoir Jésus-Christ. Dès que vous avez Jésus-Christ, vous avez une protection sur vous. Sortez de la masturbation. Vous allez augmenter votre force. Lisez Ephésiens 6, verset 11. Cherchez à vous familiariser aux âmes de Dieu. Les âmes de Dieu, là, on les acquiert. Tu pries, Dieu te donne. La prière, déjà, là, c'est une âme puissante. Et quand Dieu te les donne, là, que Dieu te donne ces âmes, il faut savoir les utiliser. Il faut savoir les manipuler. Si tu ne sais pas les manipuler, là, tu vas tirer en désordre. C'est comme si tu es armé, mais tu tires comme ça en désordre. Ton ennemi, là, il est là devant toi. Mais toi, tu tires à gauche, comme ça, tu tires là-bas, alors qu'il est là devant toi. Tu dois savoir qui sont tes sorciers, tes ennemis. Au moins, dans chaque famille, là, il y a au moins un sorcier, un représentant. Au moins, je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Il y a au moins un représentant du diable là. Toi, tu dois savoir qui c'est. Tu dois savoir qui c'est. Et c'est facile à détecter. Quand on a Jésus-Christ, hein. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, comment vas-tu faire? Comment feras-tu? Que vas-tu faire? Comment tu vas faire pour découvrir cela? Dieu nous révèle cela en songe. En songe. Voici un monsieur qui est combattu par des sorciers. Et un jour, il va se retrouver où? Chez les hommes de Dieu pour qu'on prie. Dès qu'il soit arrivé là-bas, dès que l'homme de Dieu a commencé à prier, là, Dieu lui montre une vision où il voit une femme devant un miroir. C'était qui? La mère à cet homme-là. C'était un mec à la base de ce problème. Mais il voit la femme-là de dos. C'est-à-dire quand il essaie de s'approcher pour voir qui c'est, voir le visage là. Quand elle essaie de se retourner là, l'éclair vient à mettre à disparaître. L'éclair vient à mettre à disparaître. Ça veut dire que les sorciers là, ils sont armés. Hein? Faut pas les négliger. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, faut pas provoquer un sorcier. Il est armé. Il est armé. Ces âmes là, ce sont des âmes spirituelles. Il faut apprendre pour te combattre quand tu n'as pas Jésus-Christ. Mais si tu as Jésus-Christ dans ta vie, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Quelles que soient les âmes qu'ils vont utiliser contre toi, quel que soit ce qu'ils vont utiliser contre toi, ils ne vont jamais te vaincre. Si tu veux donc venir apparaître devant toi, disparaître. N'aie pas peur surtout. N'aie surtout pas peur. Dieu sera avec toi pour te protéger. Ah, mes frères et sœurs, on peut parler de cette histoire de guerre spirituelle. Du matin jusqu'au soir sans filer. C'est trop vague, c'est trop vaste, c'est un champ d'action trop grand. Il y a trop de choses à dire à ce sujet. Alors abonnez-vous
Activez la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo. Pour nous soutenir, vous pouvez faire des dons. Que Dieu vous bénisse. Mais le meilleur don que vous pouvez faire, là. 1. Vous-même, acceptez le Seigneur Jésus-Christ. 2. Partagez cette vidéo-là à tous vos amis pour leur montrer qu'effectivement, il y a des choses graves qui se passent dans ce monde qu'ils ignorent. Peut-être même il y a des gens qui ont des problèmes, qui ne savent même pas que c'est une guerre spirituelle qui a lieu dans leur vie. Et ils sont des images comme ça, alors que ça a lieu. Ah, mes frères et sœurs, partagez cette vidéo. Tous ceux qui sont dans l'ignorance vont parvenir à la connaissance. Et vous devez leur dire au final que c'est Jésus-Christ qui pourra vous sauver, c'est le seul Dieu qui pourra vous délivrer. Car c'est lui seul qui peut délivrer. Dès que tu rencontres tel problème, ou tu vois que tu es en train de dormir et on veut t'assoupir comme ça, appelle Jésus. Dis seulement Jésus-Christ. Jésus. Et ce Jésus que tu vas dire là, ça sera une bombe dans le monde des ténèbres. Ils vont s'échapper. Moi, ça m'est arrivé une fois. Donc, je sais de quoi je vous parle. Je ne suis pas là ici pour rien. Je ne suis pas devant vous ici pour parce que j'ai envie d'être devant vous. C'est parce que ces choses-là, je les vois même chaque jour. Hey! Abonne-toi à tous ces épisodes, la cloche de pas pour la prochaine vidéo. Et merci pour vos dons. Merci pour vos dons. A bientôt. Je suis bien sur le compte. Que Jésus vous garde et qu'il vous bénisse. A bientôt. On se revoit.